Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors d'abord je voulais vous remercier tous pour vos abonnements, tout ça, 10 000 abonnés. Pour une chaîne sans pub, sans sponsor, c'est sympa quoi. Donc ça me fait plaisir, vraiment un grand merci à tout le monde. Et ouais voilà, ça, la chaîne, moi ça fait un an que je m'en occupe. Donc au début je mettais un peu de musique, tout ça, je faisais une vidéo de temps en temps, j'avais moins de 300 abonnés. Et depuis un an, là, depuis août de l'année dernière, j'ai mis une vidéo régulièrement par semaine, donc voilà, ça fait très plaisir, un grand merci à tous. Bon, c'est parti, dans cette vidéo, donc tu vas voir, il y a trois sorties, 100% leurre de surface, 100% barre quasiment, même, 100% barre on va dire, une sortie du bord, donc une sortie en flotte tube et une sortie en kayak, que des sorties assez courtes et tout au leurre de surface. Allez, bon visionnage et à bientôt tout le monde, bye. Salut à tous, bon là je vais faire un petit coup du soir. Je suis venu hier soir déjà, j'ai décroché un bar dans une crique. J'ai pris un truc là. Oh, c'est quoi? Un petit bar. Génial. Oh, il est décroché. Bon, il était pas gros, mais il fait plaisir celui-là. Putain, génial. Donc, j'y retourne, je vais voir s'il y a un peu de monde. Donc, on va voir. Voilà, voilà, toujours avec ma canne Decathlon 2,70 m. 10-30 grammes, c'est la Illicium 500 et Moulinet Tsurinoya NA 5000. Voilà, avec de la tresse en 8 centièmes et une tête de ligne toute noire, abrasion de Caperlan en 30 centièmes. Allez, tranquillou, on y va, écoute les mouettes. Oh, c'est super. On a un petit peu de marche, à tout de suite. Allez, on descend gentiment. L'eau est belle. Hein. Il y a un bon petit coef aujourd'hui. Il y a 4 cool. Climtolé, 85 il me semble. On va passer peut-être un leurre de surface, mais il y a des petits goélands alors. Les petits goélands, ils aiment bien les petits leurres de surface. Ils n'ont pas encore assez d'expérience. Les adultes, ça va, ils gèrent le truc, il n'y a pas de souci, mais les petits, ils sautent sur tout ce qui bouge. Comme les petits bars. Voilà, c'est pareil. Bon, je vais mettre un leurre de surface quand même. Je peux bien les voir arriver. Passer un petit leurre de surface. Alors, je vais choisir un... La mer est assez calme, mais un peu sale. Celui-là, je l'aimais bien, là. Les hameçons sont pas terribles. Bon, celui-là, il me plaît. Il fait vraiment du bruit. Hein. Peut-être un peu trop. Tac. Mais il nage super bien. On va essayer celui-là, c'est pas grave. Tac. Les hameçons sont pas terribles, hein. Faudrait que je les change. Aïe, ça pique! Il est super, hein. Celui-là il nage vraiment bien. Je l'aime bien, il fait du bordel et tout, on verra s'il monte dessus. Parce que l'eau est pas très claire, elle a l'air claire, mais. Donc au moins ils vont l'entendre. Super! Comme fou. Qu'est-ce qui fait plaisir. Regarde ça. Oh, il l'a pris, mais c'est de toute beauté quoi. Génial. Ah, il l'a pris, il n'y a pas d'eau là-bas. Bon, ça n'a pas l'air très gros, hein, mais. Oh, cette attaque. Où est-ce que je vais le sortir? Je vais le sortir par là, ça sera parfait. Où est-ce qu'il est?
Il ne doit plus être très très loin. Il est là. Oh, il est joli, hein, super. Il me fait plaisir. Oh là là. On va descendre un petit peu. Ouh là là. Est-ce que ça maille? Quel plaisir. Il est petit. C'est un petit. Regarde ça un peu. Oh, il maillerait peut-être. Hein. Il est fin, les gars. Oh merde, il s'est pris le triple dans le... Une petite vague peut-être? Voilà. Oh, super, il est tout noir. Yes. Regarde ce poisson là. Ah, il est beau. Hein. Beau poisson tout noir. Il est pas gros, mais il est magnifique. Allez, on va le mesurer et on va faire une photo. On va le remettre, je pense. Il est vraiment... Oh là là. Oui, je pense qu'il maille, ça maille. Faut pas qu'il touche le sol. Shooter, shooter. Allez, on va le mesurer. Je pense qu'il fait 41, un truc comme ça. Vite, vite. Que je... Oui, j'ai déjà perdu pas mal de temps. Et merde, la règle qui se pète en deux. Bah, de toute façon. Bah, c'est petit. Mais bouge pas, putain. Il veut vraiment pas m'aider, lui. Hein. Regarde. Bon, si, il doit les faire, les 42. Ouais, il l'est fait. Oui, yeah, baby. Attends, non, la règle n'est pas bien mise, on va bien la mettre. Ça ne va pas être en infraction non plus. Voilà, là, elle est bien mise. Ouais, il l'est fait. Bon, bah, papa, il va le garder. De toute façon, il est un peu abîmé. Je sais que ça va faire mal au cœur à certains, mais c'est les meilleurs. Putain, je l'ai pris dans que dalle. Faut que je le tue tout de suite. Allez, faut que je le tue, j'arrête de jouer avec lui. Pauvre petit, voilà. Prends compte ça. Au deuxième lancer, ça fait plaisir. Voilà, tu crois qu'il est mort, Thibaut Pêche? Putain, les cons, les commentaires, il y en a, ils sont graves, hein, les mecs. Et t'as une pince, Thibaut Pêche? T'es fait quoi, Thibaut Pêche? T'es con, Thibaut Pêche? Ah ouais, je suis con. Je me fais plaisir, en tout cas. Tu vois comment ça pisse le sang? Là, il est bien saigné et tout. Voilà. Ça fait plaisir, hein. Direct un point sky, là. Il m'a fait une explosion en surface, celui-là. Il était dans, honnêtement, dans très peu d'eau. Là, je coupe bien les... Là, là, tu vois, ça va pisser le sang en même temps que les battements du cœur. Et puis voilà. Allez, on va se rincer les mains. Et on y retourne. Ouais, je valide. Je valide. Le petit leurre de surface, je sais pas, il coûte 2 euros, non? Un truc... Ah, c'est super. Super, super. Allez. On y retourne. Let's go fishing. On rasera le gros bordel tout à l'heure. Je suis accroché de partout, la ligne elle est accrochée de partout. Il était vraiment dans peu d'eau, en train de chasser probablement. Et vu l'attaque de ouf qu'il a fait. Bon, je vais continuer à pêcher, mais je vais vider le bar tout de suite, comme ça ce sera fait. On va voir ce qu'il a dans le bide en même temps, parce que... Voilà, je commence à avoir des touches un peu plus régulièrement. Bon, j'insiste pas. On verra. Il a l'air d'avoir le ventre vide de chez vide, ouais. C'est même pas clair, c'est qu'il a vraiment rien du tout. Ouais, c'est ça pour les volants, je pense qu'ils vont voir ça de là-haut. C'est dingue d'avoir rien comme ça dans le ventre. Il mange pas un gros petit. Pourtant il a bien attaqué le leurre de surface. Ça a dû l'énerver. Allez. Elle est belle l'eau. Hein. Ça fait pas bien gros. Hein. C'est vraiment un peu plus de 42, mais genre 43, quoi, pas tellement plus. Joli petit poisson, en tout cas, qui fait plaisir. Je vais me décaler un peu, là. Je vais le mettre dans le seau. J'ai peur que les golans, ils le volent. Voilà, Thibaut Pêche, il a tout le temps un seau. Regarde le sang de viandard. Allez. Voilà, je voulais vous montrer ça aussi, là. Vous voyez le leurre, là?
Bon, c'est un truc d'AliExpress, il est pas terrible, mais vous avez vu le nylon? Regarde le nylon là. Il est tout noir. Noir. Hein. Pour ceux qui peuvent pas se passer du fluorocarbone, hein, ça empêche vraiment pas de faire du poisson. Hein. Après, bon, c'est pas un gros hein, celui que j'ai pris, mais ça marche très très bien quand même. Hein. C'est vrai que les gros sont plus méfiants. Faut mettre du fluoro à 500 boules. Allez, on va essayer d'en prendre un autre, ça serait bien. Un petit lieu là. Regarde ça, c'est les Mimi. Il a pris une imitation de Lançon. Pour Mimi. Allez, on va le remettre. Ça bouge pas comme ça, tu vas te fracasser sur le. Il est super bien piqué. Allez, va, file. Oh, le plat. Ça n'empêche pas de repartir. Il m'a fait une de ces belles petites touchettes. De toute beauté. Allez. Bon, bah voilà. J'ai passé un super moment encore. Une heure de pêche, un poisson. Franchement, ça me va. Hein. Donc, au lord de surface, en plus, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait un en surface. Donc, ça fait très plaisir. Et bah, je pense que je vais retourner demain matin tôt. On va voir. Là, les températures commencent à être agréables. Il fait un peu moins gris. La mer devrait se calmer. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis déjà content de faire un poisson parce qu'à chaque fois que j'en fais en ce moment, c'est un petit machin de 41. Donc ça change un peu. Bon, il est pas énorme, hein, mais il fait vraiment plaisir. Voilà, une heure à poisson. Super. Que demander de plus? Bonne soirée en tout cas. Salut. Salut les amis. Je suis parti pour une petite session flotte tube, la Rapidos, genre une heure. Je vais pêcher que en surface, je vais voir s'il y a des poissons qui veulent monter sur mes petits leurres de AliExpress. Allez, à tout à l'heure. Je vais changer de leurre parce que j'ai mis celui-là, mais il paraît. Enfin, je trouve qu'il fait un peu trop maracas. Je vais mettre l'imitation du Z-Claw là d'AliExpress. L'autre aussi, hein, il vient d'AliExpress. Il nage pas mal, mais il fait vraiment. Il fait vraiment du bruit. Donc voilà. Je sais pas si je vais rester enlever l'élastoc. J'ai encore du mal aujourd'hui. Ouais, je préfère ce bruit. C'est plus discret quand même. Allez, on y retourne. Regarde ça, regarde ça. Oh, il est beau. Super. Je sais pas pourquoi il n'arrive pas à se battre là. Il doit avoir mal. Ah, il est beau. Oh, oh, magnifique poisson. Ah, il m'a pas fait de combat. Bah, ça y est, ça commence. Il l'a. Oh. Oh. Oh, c'est super. Ah. Alors, on va essayer de pas le perdre celui-là. Ah, la listerie, j'ai changé, j'en ai marre du Z-Claw, tu vois. Oh putain! Magnifique! Oh, oh, et là, il n'y a pas de fond, alors faut faire gaffe parce que ici, leur spécialité, c'est de se mettre dans les failles. Donc, tu vois là. Oh là là! Il m'a pas fait de combat au début, mais là, il me met la misère. Allez! Il faut le ken. Enfin, il faut le ken. Non, il faut le. Ah, je sais pas, au début, il était pris par le côté, la joue à moitié. Un joli combat il va me faire celui-là. Super. Allez, viens. Ah, tu vois, il est pris par la joue. Il l'a attaqué, mais je l'ai arrêté le leurre. Quand j'ai vu qu'il l'a raté, je l'ai arrêté. Super poisson, ça fait plaisir. Ouh. Ah bah voilà, il a un tour de. Il est entouré, il a les pectorales. Ah, il a abîmé. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as fait, mon petit gars. Regarde ça. Un beau petit poisson, super. Il fait bien 51, 2, ouais, il fait 50, un bon 50, quoi. Il est bien piqué, regarde ça un peu. On va faire une photo, là. On va faire une photo, puis bah, je vais le garder, celui-là. Ah, il m'a fait plaisir, putain de combat, là. Petit poisson avec la listurie. Cinquantaine de centimètres, super combat. On va te garder, mon petit gars. Je t'ai abîmé en plus. Ah, ça fait un beau poisson à bouffer, ça. Superbe. Regarde ça un peu. Il est bien, bien, bien gras. Je vais tout de suite lui enlever les. Là, le saigner. Tu vois là comment ça saigne. Tac. Magnifique. Hein. Putain, c'est ce que je voulais. C'était pas évident aujourd'hui. Tu vois là, tu passes dans les ouïes là. Tu passes dans les ouïes là, clac. Et le cerveau il est juste derrière. Clac, ça y est. Attends, merde. Et voilà. Il m'a fait un combat trop bizarre au début. Hein.
Quelle beauté. Quelle beauté. Je pourrais peut-être le vider direct. Je vais le vider tant que j'y suis. Donc je pêche et je le vide après. Non, je vais le vider maintenant, comme ça sera fait. On va voir ce qu'il y a eu dans le vide. Bah même un poisson, ça me suffit là. C'était un petit coup du soir vite fait. Ils ont rien dans le ventre, encore un qui a rien dans le bide. Ah, quelle attaque, tout. C'est vraiment super pêche en surface. Il n'y a pas plus de plaisir qu'en surface. Ils ont l'air de revenir quand même les poissons, ça c'est bon ça. Voilà, on a un poisson qui est tout propre. Beau poisson. Hein. Là, 40. Ouais, il fait presque 60, hein, je pense. Pas très loin des 60, 55 il doit faire. Bon, bah, le couteau, je vais le mettre derrière parce qu'il est dégueu. Ouh. Cette montée d'adrénaline, c'est génial, quoi. C'est ça la pêche. Salut tout le monde. Bon allez, je suis parti, je vais faire une petite session kayak, ça fait longtemps là, je suis pas très bien réveillé. On va attendre 5 minutes que ça aille mieux, on se rejoint au bord de l'eau, allez. Super. Wouhou. L'attaque. L'attaque, l'attaque. Oh putain. Alors je fais... Oh là là, génial ce combat et tout. Wouhou. Regarde ça là. Dès le matin. Oh, il est pas gros, mais qu'est-ce qui fait plaisir. Une jolie attaque là. Hop là. Super, bah t'énerve pas, on va te détacher déjà. Ah, il fait plaisir. Qu'est-ce qui marche bien ce leurre? Bouge pas, bouge pas. Putain, il va se faire mal ce coup. Eh, bon, hey, tu vas te mettre des coups de boule toi. Je vais faire une photo et on y va. Ok? Ne bouge pas. Voilà un petit poisson qui fait plaisir. On va le remettre tout de suite. Et voilà. Au leurre de surface. De bon matin là juste devant. On essaye encore. On essaye encore. Un petit coup là vers là. Il a pris là-bas. Vas-y, on essaye là-bas. Oh putain, il l'a raté, encore une touche. Il y en avait encore, il y en a encore, ils sont là. Hop là, vas-y. C'est beau, c'est beau. Oh là là, ce poisson. Un beau poisson. Putain. Génial. Oh, le petit gobage. Petit gobage en règle. Ça, c'est un beau poisson. Putain, je peux rien faire. Je peux rien faire. Ah, c'est génial. Ah, putain. Petit gobage de merde, mais beau poisson.
Ah putain, qu'est-ce qui fait plaise. Wouhou. On va pas sortir. Ah, la misère. Ah, là, c'est bon. Oh putain, c'est un putain de beau. Ah, pété. Ah non. Oh putain, je suis deg. Surtout que j'en fais pas beaucoup en ce moment des beaux. On va reprendre à l'heure de surface. On va prendre un petit, hein, s'il était... J'ai cette clôt qui est pas mal, ou j'ai celui-là que j'aime bien aussi. On va mettre celui-là, là. Quoi qu'ils avaient... Ok, du bordel. Le Z-clôt fait peut-être un peu plus de bruit. Ça se vaut, hein. Peut-être mettre le Z-clôt qui est un peu plus... Merde, il est encore là-dedans. Bon, bah, c'est réglé, on va mettre celui-là. Si ça marche pas, on met le gros. Super spook, le gros gros. Putain, fait chier quoi. Oh les boules. Les boules de mammouth. Oh c'est la pêche. Hein. Ah, il m'a éclaté, fait chier, j'ai mal dû faire mon nœud. Regarde ça, on passe sur. Il y a des cailloux là, c'est vraiment de toute beauté ici. Hein. Ah là là, j'ai bien fait de pêcher dans ce coin, mais. Ratio prise décroche et effort là, prise cage, tout ça. J'ai trois touches, j'en sors un et un blême. Allez. C'est dessus, je peux en dire. Ah, c'est pas gros. Ça, je crois pas. C'est un lieu, non? Un bar qui bouge pas beaucoup. Oh, qu'est-ce que ça fait place. Oh là là, il est pas mal, il bouge pas. Je comprends pas, c'est quoi ce délire, là? Il se bat, mais bien. Hein. Ouh là là, ouais, il est pas mal. Hein. Ça maille, les gars. Ça maille. Oh là là, ouais, ils sont bien aujourd'hui, ça mord. Alors, 20, 40, c'est juste. Mais c'est pas grave, il m'a fait une de ses attaques celui-là. De toute beauté, regarde ça. 20, 40, ouais ça maille, c'est petit mais ça maille. 20, je vais le garder parce que je suis pas sûr d'en prendre. C'est excellent, qu'est-ce que je m'amuse. Attends, on va bien heureux. Ça fait vraiment petit, 42, 20. Ouais, je vais le garder, celui-là. Aïe, aïe, aïe. Merci pour ta petite attaque, mon gars. Tu m'as fait plaisir. Bon, si j'arrive à prendre mon couteau pour l'achever, quand même. Attends. Il est revenu à deux fois. 20, 40. Ouais, c'est bon, ça maille. Hein. C'est pas gros, hein, 42. Mais bon. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un caillou devant. Tu crois qu'il est mort, Thibaut Pêche? Faudrait que tu fasses comme ci, comme ça pour le tuer, tu vois. Hop. Il a pissé le sang à bon coup, là. Allez, couper les... Là, les branchies, tac. Oh, le viandard, Thibaut Pêche. Où j'en suis par rapport au rocher? Est-ce que j'ai pas envie de me... Me faire défoncer la gueule non plus. Ah oh putain, c'est normal qu'il y ait du poisson. Hein. Regarde ça. C'est trop bien comme poste ici. Hop. C'est pas mal hein, comme coin. Il n'y a rien là au bordure. Là. J'ai pas fait de touche. Alors, je vous ai pas parlé du matos si vous voulez savoir. Voilà. Alors aujourd'hui, je pêche avec une vieille canne de Decathlon Action. En 2m10, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est la bonne longueur pour le kayak. Donc elle fait 10-30 grammes. Là j'ai mis le petit spook là, avec lequel j'ai fait le poisson, que j'ai gardé. Et puis bah, toujours abrasion noire, hein, du fil noir en 30 centièmes. Et 13 de 8, voilà. Et le fil noir ça empêche aucunement de faire des poissons. Hein. Petit poisson on dirait. C'est quoi, c'est un petit lieu je pense. Ah non c'est peut-être un bar, ça tire bien. Ça peut être bien gros. Un lieu harponné. Ah oh bah voilà, super.
On va le prendre en photo, on va le remettre. C'est pas bon signe quand tu fais des petits poissons comme ça. Allez, repart. C'est vraiment agréable. C'est des bonnes pavasses quand même. Je vais mettre un ou deux coups de lame par là. Mais... Il y a des belles pierres sous le... Sous le... Hop. Difficile de résister. Bon là il est un peu tard maintenant, je pense que c'est dur, hein. Dès que le jour s'est levé après... Ah bah non, j'ai rien dit, fiche-fichon. C'est nerveux, c'est petit je pense. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas l'impression que ce soit un bar. À ma conçu c'est un petit barouiné, il est tout petit. Bon voilà, il fait plaise. Super, il se bat bien. Il se bat bien, regarde ça un peu comme c'est beau. Tac, tac, tac. Il est petit, petit. Hein. Petit inconscient. Allez, il fait 32, je le garde. Non, je déconne. Hop. Il est vraiment pas gros. Hein. Comment t'as avalé ça, t'as? Oh putain. Tu es con. Les petits, c'est les pires. C'est dangereux, ça. Allez. Allez, allez, j'ai pas envie de te déboîter la tête, tu m'as rien fait. Voilà. Allez, on retourne à la baille. Oh. Quand même un petit peu de poisson, mais bon. J'ai bien fait, hein, quand j'ai vu le fond, je fais allez, hop. Bon, bah, compteur à 4 poissons, c'est pas énorme, mais c'est bien agréable quand même. Au moins, je fais quelques touches avec le kayak... Ça permet vraiment de prospecter des postes excellents. Hein. Allez, on va en remettre un petit coup là. Ça se trouve, il y a toute sa famille là. Après des trucs de cette taille là, c'est pas très rigolo. Là, il y a les cormorans au bord, c'est génial. Hein. Ils ont eu leur petit là maintenant. Le boulainet commence à faire du bordel. Hein. Il va falloir graisser tout ça, je crois. Il y a un gars qui pêche là-bas. C'est vrai que la pêche du bord, c'est génial aussi. Hein. Toutes les pêches sont superbes. Essayer de se faire plaisir. Hein. Non. Ben voilà. Ce sera le mot de... Ah, poisson. Oh putain, t'y crois ça? Il prend juste en dessous. Par contre, ça doit être un petit lieu. Hein. Ouais, un joli petit lieu. Allez hop. Qu'est-ce que t'es mignon. Putain, je leur crève les yeux, les pauvres. Alors, ceci sur des épaves, vous prenez des lieux de 10 kilos dans 6 ans avec un œil crevé. Ben, c'est papa qui l'a pris. Allez, go. Bon, bah ce sera le mot de la fin, super. Ils sont rapides les lieux. A plus tout le monde. Alors ça pêche? Bah oh. Putain, elle est gros. La peau là, tu m'as bien lancé. Je sais pas ce que t'as là. C'est un bar. Alors, à vache. Oh. Putain, c'est un sort. Oh là là. Ouais, c'est quoi ça? C'est un sort. Remonte, remonte, remonte. Tu veux que je remonte ou pas à ta place? La vache, yes! Il est énorme! Wouah! Oh non! Je t'ai super bien lancé, hein! J'ai mal, oh, trop chaud! Yes! Il est énorme! Putain! Ça va cette tête là! Putain, la vache! Typo pêche! Bonjour, tu vas pêche. Donc aujourd'hui pêche à la Morgate.
Ah, tu nous as pas fait de démonstration pêche à la morgate aujourd'hui là, on va te montrer. Je suis avec mon équipage. Patrick et Cyril. Elle arrive, elle arrive. Voilà, c'est assez, dit la baleine. Dis bonjour à Thibaut sèche. Thibaut sèche. Oh yeah. Pas la même chose. Monsieur, dame, bonjour et bienvenue sur Titi Thibaut pêche. Tu n'empêches. Ça, c'est pas le fond, les gars. Tonton pêche. Ça, c'est pas le fond. C'est pas une pité belge. Allez, merci beaucoup. Ouf. Il a pas aimé le tour de moulinet. Tu arrives à voir une idée là ? Non. Non. Bon derrière. Allez, fatigue-le un peu.